Catéchisme de Saint Pie X, page 138, le Grand Catéchisme, chapitre 12, le 11e article. Que nous enseigne le 11e article, la résurrection de la chair? Le 11e article du Credo nous enseigne que tous les hommes ressusciteront, chaque âme reprenant le corps qu'elle avait en cette vie. Comment se fera la résurrection des morts? La résurrection des morts se fera par la vertu de Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Quand arrivera la résurrection des morts? La résurrection de tous les morts arrivera à la fin du monde, et ensuite aura lieu le jugement général. Pourquoi Dieu veut-il la résurrection des corps? Dieu veut la résurrection des corps, afin que l'âme, ayant fait le bien et le mal quand elle était unie au corps, soit encore avec lui pour sa récompense ou le châtiment. Les hommes ressusciteront-ils tous de la même manière? Non, il y aura une très grande différence entre les corps des élus et les corps des damnés, car seuls les corps des élus auront, à la ressemblance de Jésus-Christ ressuscité, les propriétés des corps glorieux. Quelles seront ces propriétés qui orneront les corps des élus? Les propriétés qui orneront les corps glorieux des élus sont, premièrement, l'impassibilité, par laquelle ils ne pourront plus être sujets aux maux ni aux douleurs d'aucune sorte, ni aux besoins de nourriture, de repos ou de quoi que ce soit. Deuxièmement, la clarté, par laquelle ils resplendiront comme autant de soleils et d'étoiles. Troisièmement, l'agilité, par laquelle ils pourront se transporter en un moment et sans fatigue d'un lieu à un autre et de la terre au ciel. Quatrièmement, la subtilité, par laquelle, sans obstacle, ils pourront traverser tous les corps, comme fit Jésus-Christ ressuscité. Comment seront les corps des damnés? Les corps des damnés seront privés des propriétés glorieuses des corps des bienheureux et porteront la marque horrible de leur éternelle réprobation. Fin du chapitre 12. Je place cette vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur.